Sourate, l'agenouillé. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Ah, mime. La révélation du livre émane de Dieu, le tout-puissant, le sage. En vérité, il y a dans les cieux et la terre des signes pour ceux qui ont la foi. Et dans votre création, et dans la diversité des espèces animales, il y a autant de signes pour ceux qui croient avec certitude. Et dans l'alternance de la nuit et du jour. Dans les pluies salvatrices que Dieu fait descendre du ciel pour revivifier le sol, ainsi que dans la variation des vents qui sont des signes pour des gens qui raisonnent. Ce sont là des versets de Dieu que nous te récitons en toute vérité. À quel autre discours croiront-ils s'ils ne croient pas en la parole de Dieu et en ses signes? Malheur à tout affabulateur scélérat, qui, lorsque les versets de Dieu lui sont récités, s'obstine à se montrer arrogant. Ne pas les entendre. Annonce-lui la nouvelle d'un châtiment douloureux. Retiendrait-il quelques bribes de nos versets, qu'il s'empresserait de les tourner en dérision. Ceux-là sont voués à un châtiment infamant. La GN les attend, et ni les richesses qu'ils auront acquises, ni les alliés qu'ils se seront donnés en dehors de Dieu, ne leur seront utiles. Ils subiront un châtiment douloureux. Ceci, ce Coran, est une guidance, et ceux qui dénient les versets de leur Seigneur, subiront le châtiment d'un supplice douloureux. C'est Dieu qui vous a soumis la mer afin que les vaisseaux puissent voguer à sa surface, par son ordre, et que vous vaquiez à la recherche de ses bienfaits. Puissiez-vous lui en être reconnaissant. Et il vous a soumis tout ce qui peuple les cieux et tout ce qui peuple la terre, car tout procède de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Exhorte ceux qui croient, à pardonner à ceux qui n'obtiendront rien des bienfaits de Dieu, en raison de leur dénégation. C'est à Dieu de les rétribuer selon ce qu'ils auront accompli, car quiconque accomplit de bonnes actions agit pour son propre salut, et quiconque accomplit des actions répréhensibles contribuera à sa propre perdition. Puis, c'est à votre Seigneur que vous serez tout ramené. Nous avons accordé aux enfants d'Israël l'Écriture, l'autorité et la prophétie. Nous leur avons dispensé nos grâces, et nous leur avons donné la préférence sur leurs contemporains. Nous leur avons montré des preuves incontestables concernant la religion, nos commandements. Ce n'est que lorsqu'ils prirent acte de ce qui leur fut apporté qu'ils divergèrent, mûs par leur antagonisme. Dieu tranchera à propos de ce qui les opposait le jour de la résurrection. Puis, nous t'avons engagé sur la voie de la religion, la loi de Dieu. Conforme-toi à ces prescriptions et ne cède pas aux penchants de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune protection contre les rigueurs, Dieu. D'ailleurs, ils n'exercent leur solidarité qu'à l'égard des leurs, et Dieu est l'allié des pieux. Ceci, le Coran, est une lumière pour les hommes, une guidance et une miséricorde pour des gens qui croient avec certitude. Ceux qui perpètrent des forfaits, pensent-ils que nous les traiterons comme ceux qui croient et font le bien de sorte que dans leur vie et dans leur mort, ils soient rétribués à égalité Mauvaise appréciation que la leur. Dieu a créé les cieux et la terre en toute justice, afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et nul ne sera lésé. Considère celui qui prend pour divinité ses propres penchants, dont il est esclave, et que Dieu égarciement, en le rendant sourd et insensible, aux exhortations, et en lui voilant les yeux qui le guidera, en dehors de Dieu. N'y avez-vous pas réfléchi? Ils disent, il n'y a que la vie dans ce monde ici bas pour nous. Nous vivons et nous mourrons, et seul le temps qui passe nous fait périr. Mais ils ne détiennent aucune science de ce qu'ils avancent. Ils ne font que se fondre en conjectures. Lorsque nos versets leur sont exposés en toute clarté, leur seul argument consiste à dire, ramenez-nous donc nos ancêtres, si ce que vous dites est vrai. Réponds-leur, Dieu vous fait vivre, puis vous fera mourir. Puis il vous réunira le jour de la résurrection dont l'avènement ne fait pas de doute. Mais la plupart des hommes ne savent pas. La royauté des cieux et de la terre appartient au Seigneur. Le jour où l'heure sonnera, ce jour-là marquera la perdition des négateurs. Tu verras alors chaque communauté agenouillée. Et chaque communauté sera assommée de prendre connaissance de son registre, consignant ses actions, et ce jour-là, vous serez rétribués selon les œuvres que vous aurez accomplies. Voici notre registre. Il témoigne contre vous en toute vérité, car nous y consignons tout ce que vous faisiez. Ainsi, ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, leur Seigneur les accueillera en sa grâce. Et ce sera la récompense suprême. Alors que les impites entendront, n'est-il pas vrai que nos versets vous étaient récités? Mais vous vous considériez trop important pour vous conformer à leur prescription, leur réservant un traitement criminel. Et lorsqu'il vous était dit, la promesse de Dieu s'accomplira, et l'avènement de l'heure du jugement est inéluctable, vous répondiez, nous ignorons ce qu'est l'heure. Nous en avons une vague idée, mais sans certitude. Leurs mauvaises actions leur apparaîtront dans toute leur horreur, et les menaces de châtiment qu'ils tournaient en dérision se réaliseront alors. Et ils entendront, « En ce jour, nous vous jetons dans l'oubli, comme vous avez oublié, d'œuvrer pour, ce jour où vous deviez comparaître devant nous. Désormais, l'enfer sera votre demeure et vous n'en serez pas délivré. Il en est ainsi parce que vous avez tourné les versets de Dieu en dérision, et que la vie en ce monde ici-bas vous allerez. À compter de ce jour, ils n'en seront pas arrachés, et il ne leur sera pas donné de se racheter. » Alors, louange à Dieu, le Seigneur des cieux et le Seigneur de la terre, le Seigneur de l'univers. À lui la majesté suprême dans les cieux et sur la terre. Il est le Tout-Puissant, le Sage.